Et je crois avoir dit depuis plusieurs mois que le plus dur était devant nous, le plus dur, nous y sommes. Le pic inflationniste, c'est maintenant. Et c'est cela qui justifie les mesures que le président de la République et la Première ministre nous ont demandé de prendre. Nous avons déjà 23 milliards d'euros qui ont été engagés entre 2021 et 2022 pour les premières mesures de protection, principalement le bouclier énergétique dont je vous ai déjà parlé. Nous rajoutons aujourd'hui 20 milliards d'euros de mesures nouvelles pour protéger nos compatriotes contre la vie chère. Il n'est pas possible qu'en France, on ne puisse pas travailler parce que le plein est trop cher. C'est inacceptable et c'est contraire à notre engagement qui est de tout faire pour favoriser l'emploi. Nous avons, comme vous le savez, mis en place cette remise de 18 centimes d'euros. Elle n'est pas suffisante pour ceux qui travaillent et elle couvre tout le monde. Donc nous allons recentrer le dispositif en remplaçant cette indemnité de 18 centimes d'euros par litre de carburant par une indemnité carburant travailleur qui sera mise en place à compter du 1er octobre de cette année. Ça veut dire qu'entre le 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2023, il ne pourra pas y avoir d'augmentation des loyers de plus de 3,5%. C'est le fruit de l'accord que nous avons conclu avec l'ensemble des partenaires concernés sur les questions de loyer, que ce soit le logement social, les bailleurs, les propriétaires privés. Nous avons trouvé cet accord. C'est un bouclier sur les prix de la location à 3,5%. S'il n'y avait pas ce bouclier, la hausse pourrait aller jusqu'à 6%. Au vu de la situation énergétique exceptionnelle, notre responsabilité, c'est de se préparer à tous les scénarios en prenant des dispositions pour sécuriser nos approvisionnements. Cela s'inscrit donc dans une démarche tout azimut. Nous allons prendre différentes mesures, dont celles qui figurent dans ce projet de loi. Pour entrer dans l'hiver dans les meilleures conditions, nous sécurisons le remplissage de nos stockages stratégiques de gaz au niveau, au-delà du niveau de 85% qui était le niveau d'obligation actuel. Notre objectif est désormais d'être à 100% au plus vite et en tout état de cause avant le 1er novembre. Pour augmenter et diversifier nos capacités d'importation et d'utilisation du gaz naturel liquéfié, nous prenons des mesures permettant la mise en place d'un terminal gazier flottant dans le port du Havre. Ce projet est nécessaire pour réduire rapidement notre dépendance au gaz russe. Il a été conçu pour avoir le moins d'impact possible au plan social et environnemental et il n'a pas vocation à être permanent, d'où ce choix d'une installation flottante. Monsieur le maire, vous allez où ? Bonjour, messieurs. Alors, vous allez à Ibiza ou quoi ?